c'est moi, Naruto Uzumaki! Oui, bon, sa voix, elle est pas très facile à faire, mais je fais de mon mieux! Dans ce film, je vais rencontrer ceux de Dragon Ball Z! Alors surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications! Non, je vais pas affronter Sasuke. Mais si vous voulez pas qu'il se mette en colère, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager la vidéo à vos amis! Je sens que vous allez aimer ce film, peut-être que certains l'ont déjà vu, mais si c'est pas le cas, abonnez-vous! C'est parti pour le film! Moi c'est Naruto Uzumaki, et un jour je deviendrai Hokage, le plus grand Hokage de tous les temps! Et moi aussi, mon visage il sera gravé à côté de tous ces noobs! Ça y est, c'est bon Naruto, t'as fini de raconter ta vie? Eh, hey, sois pas méchant, Sasuke! Sasuke? Naruto? Tu pourrais partir? Je dois parler à Sasuke. Sakura, je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai surtout faim, moi. Attends, ça fait combien de temps qu'on attend à manger? Je commence à avoir faim. Sasuke, fais-le venir plus vite, là. Allez, dis au vendeur d'arriver plus vite, j'ai faim. Oh, j'ai faim et j'ai envie de jouer à Fortnite aussi. Naruto, tu n'es qu'un enfant. Naruto, arrête de faire l'imbécile. Tout de suite. Eh, mais Sasuke, sois pas méchant. Ah, c'est pas possible. Grandis un peu, Naruto. Ah, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie de faire pipi. Vite, vite. Des toilettes. Ah, désolé, Naruto. Tu ne me laisses pas le choix. Disparais de ma vue. Non. Sasuke, qu'as-tu fait à Naruto? Tu voulais qu'il s'en aille. Eh bien, il est parti. Naruto qui arrive sur Fortnite. Lui aussi, il deviendra un de mes larpins. Chers soldats, je vous ordonne de capturer Naruto. Cette femme va détruire l'île. Il reste que quelques épisodes pour l'en empêcher. Je dois prévenir Midas et les autres. Tout le monde doit s'allier contre cette reine. J'ai peur. Vraiment peur. Allô? Ceci est un message vocal à toute l'île. Vous devez prendre les armes. Prenez les armes. Et rejoignez-moi. Ne laissons pas la reine du cube détruire le monde. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais si on perd, c'est fini pour nous. Terminé. J'espère que les gens vont venir. Je vais pulvériser cette pyramide! Quel est ce bruit? Je vais mourir seule, sans Midas. Mon tendre amour. J'aurais voulu lui dire tant de choses. Mais c'est... Maman? Pourquoi Midas ne l'a pas guéri de la malédiction? Julie, Midas, Charlotte, je vous aime. Maman! Ha! Maman! Tiens! Ah! Pardon ma puce, pardon, je t'avais pas reconnue. Mais j'ai dit maman, ça peut être que moi. Ma chérie, je vais mal. Oui, je sais, Midas t'a filé la malédiction. Oui, il me reste que quelques jours à vivre. Je vais vous protéger. J'ai un plan, ma biche. Compte sur moi. Ah, je le savais. Toi et Midas, vous êtes les plus forts. J'en suis pas si sûre, mais je vais essayer. Je me sacrifierai. Non, maman, te sacrifie pas. Guéris-toi, je t'en supplie. Je veux plus être seule. Viens dans mes bras une dernière fois. Je t'aime. Tu m'as tellement manqué. T'es trop mignonne, Juju. Mais je peux pas. Mais pourquoi? Viens, s'il te plaît. Je t'aime, Julie. J'ai peur de te donner la malédiction. Je suis la seule qui peut pas mourir de ça. Allez, viens. On bute la reine. Crève, sorcière! Crève! Comme si ça servait à quelque chose de me tirer dessus! Naruto sera bientôt à moi! Et je vous anéantirai! Julie, fuyons! Elle va nous détruire! C'est quoi le plan du coup? Déjà, on va chercher une maison pour dormir. Ensuite, on avisera. Je vais aller chercher les miaus clés aussi. Maman! Tu sais pas conduire! Bah quoi? Je me gare comme je peux, hein! Bon, en vrai, c'est quoi ton plan? J'arrive pas à m'en souvenir, tu vois. Ça te ressemble pas, mais je suis fatiguée. Je vais dormir. Ma Julie, si tu savais, j'ai toujours aimé te regarder dormir avec ton visage d'ange.
Tu es la plus belle fille de l'île. Tu vas tellement me manquer. Je vais devoir vous dire adieu. Maman! Maman, t'es là? J'ai dormi longtemps. Maman! Hé, maman! T'es où? Hé, maman! T'es où? Maman! Oh, Marie! C'est plus drôle! Oh, elle a laissé un mot. Ma chère Julie, ma fille d'amour, ma beauté, tu es une merveilleuse fille. Ne suis pas la voix de la haine comme ton papa. J'ai un plan pour tuer la reine et en finir. Mais pour ça, je vais devoir vous quitter. Je vous oublierai jamais. Adieu, maman. Je vais la tuer! Oui, je vais la tuer! Mais qu'est-ce que j'ai froid! Qu'est-ce qu'il fait froid ici? Oh, ces traces! Elles continuent par là! Je suis perdue, mais c'est pas grave! Je vais pouvoir le manger! Banane sadique! Tu vas me le payer! Ouais! C'est par là qu'elle est passée! Je sens sa sale odeur de traître! Ouais, elle est passée là-dedans! Je le sais! Je le sais! Elle est plus là? Non! Elle est plus là! Non! J'espère au moins que l'ordi fonctionne! Je vais attendre qu'elle revienne et ensuite, je vais la manger! Ça fait des semaines qu'on est sur les traces de ce déserteur! Oh! Oh! Non! Je t'ai retrouvé! Où est-ce que je suis? Je ne connais pas cet endroit. Hé hey, Sasuke, tu m'as envoyé où? J'aime pas du tout quand il fait ça. Mais je connais pas cet endroit. C'est quoi? C'est l'île de Fortnite? Toi, qui es-tu? Hé hey, réponds-moi. J'ai même pas envie de te regarder. Alors, écarte-toi de mon chemin. Hé, hey, je te parle. Hé hey, oh, arrête de m'ignorer. Je ne t'ignore pas. Tu ne m'intéresses juste pas. C'est complètement différent. Alors maintenant, va-t'en ou je te tue. Moi, je me présente Naruto Uzumaki et je serai le prochain Hokage. Je m'en fous. Hé, hey, attends, du calme. Je vais devoir te tuer pour que tu te taises. Si c'est le cas, ça me dérange pas. Je ne veux pas me battre, moi. Calme-toi, je suis pas ton ennemi, d'accord? Hé, hey, allez, attends. Salut, minable. Attends, où est-ce qu'on est? Tu peux me dire où on est? J'en suis pas sûr. Hé, hey, monsieur. Vous pouvez me répondre? Attendez, partez pas! Je ne vais pas partir! Non, pas avant de t'avoir tué! Multiclonage! Tu fais moi le mal là! Allez, ciao! Hey, t'aurais pu m'écraser! Heureusement que ce n'était qu'un clone! Hé, hey, je te parle! Reviens ici tout de suite! Hé! Hey, je ne te laisserai pas t'enfuir! Sans que tu m'aies dit où est-ce que je suis! Mais c'est qu'il court vite! Comment tu t'appelles déjà? Oh, tes coups de couteau me chatouillent. Tiens! Tu veux la bagarre? Eh bien la voilà! Je ne vais pas te tuer, mais je vais te faire très très mal. Eh bien vas-y. Ah! C'est bon? Je peux taper maintenant? Tiens! Va-t'en! Allez, au suivant! Viens là aussi, toi! Arrête de détruire mes clones! Ah, c'était des clones? Quel dommage! Raté! Encore raté! Hé! Hey, trouve le bon! Qui est le vrai? Je vais tous vous tuer, c'est tout! Orbe tourbillonnant! Oh oh ah, mais il sort d'où ce type? C'est quoi cette puissance? Oh. T'as bien failli m'avoir! Franchement, toutes mes félicitations, Naruto! Ça, je te le fais pas dire! Je vais te massacrer! Tu vas regretter de m'avoir croisé! T'as de la chance que la reine a besoin de toi. Je l'attends, ta reine Midas. Eh bien, vas-y, redis du mal de la reine, que je t'élimine. J'ai pas dit du mal, c'est juste que tu vas mourir. Et un de moins. Ah, c'était un de tes clones? Non! Tu as tué un de mes clones. Bon, attends, on n'est pas obligé de se battre. Après tout, je te connais pas. T'inquiète pas, la prochaine fois, je viserai pas un de tes clones, mais toi. Alors vas-y, viens m'affronter si tu l'oses. J'ai pas envie de me battre, d'accord? Je connais même pas votre monde. J'ai pas envie de me battre. Je vais devoir te capturer, Naruto, je n'ai pas le choix. Ah ah. Tiens. Ne bouge plus, ça suffit.
Ah, alors là, ça va se payer. Non, ça suffit, on arrête de se battre. Je vais t'éliminer, Naruto! Non! Tant pis, si tu es mort, j'amènerai ton cadavre à la reine. Arrête de te battre avec moi! Ah! J'y suis peut-être allé un peu fort. Hé, hey, Midas! Je ne veux pas me battre contre toi, tu m'entends? Je ne veux pas te faire de mal! Midas? Moi aussi, j'ai mes petites techniques, Naruto, regarde. Ça s'appelle la rafale de balles! Arrête! Sale gamin! Mais... Naruto Fury! Ha! Pas mal, non? J'en ai encore plein en réserve, si tu veux. J'en ai marre de finir à terre. Je vais devoir me venger, moi aussi, je sais le faire! Il est super fort! Comment est-ce que je vais faire pour le battre? Je n'ai pas le choix! Multiclonage! Salut! Tu m'as demandé? Bah oui, je t'ai demandé, puisque c'est moi qui peux te créer. Tu comptes faire les mêmes techniques à l'infini? Non, parce que ça devient lassant. Allez, Naruto, continue de m'amuser encore un peu. Hé, hey, on n'a pas envie de se battre contre toi! Ok? Alors arrête d'être méchant et rejoins le camp du bien, sinon tu vas prendre cher! Au pied, Naruto, allez, allez! Tu l'auras voulu! Je vais bien finir par vous avoir! Attaque de clone! J'arrive pas à maîtriser cette nouvelle forme. J'ai beau être Midas ombre, je ne sais pas encore me servir du pouvoir des ombres. Mais quand j'aurai trouvé Naruto, je te massacrerai et t'emmènerai à la reine à moitié mort. Ça, c'est ce que tu crois. On ne te laissera pas faire. J'aimerais tellement retrouver mon ancienne forme juste pour pouvoir te maîtriser et te transformer en or pour ma collection. Alors là, sale gamin, j'espère que tu as fait tes prières. Naruto! Tu me fatigues. À peine arrivé Sakura dans une dimension, tu fais le clown. Sakura! Pourquoi tu frappes ce beau gosse? Sakura, il veut me tuer. Et toi aussi sûrement. Pourquoi tu m'as frappé? Hé, et on s'en fout qu'il soit beau. Aide-moi à le maîtriser, Sakura. Naruto, tais-toi. T'es jaloux de ce magnifique garçon? C'est comme quand tu jalouses Sasuke. Mais non, Sakura, t'es complètement stupide. Bah alors, les amoureux, on m'a oublié? C'est ta petite copine qui m'a mis cette patate. Hé, hey, parle pas de ma copine. Je suis pas ta petite amie. Alors arrête de mentir, compris? T'es une mocheté, grand front. Ah, c'est moi la mocheté. Ah. Sakura, il parle de toi, je crois. Allez, Naruto, prépare tes techniques. On le massacre. Hé, hey, ma petite Sakura, je te défendrai toujours. La ferme. Je suis pas... ta petite! Excuse-nous. Du coup, tu disais... Je vais vous éliminer pour la perte de temps que vous m'avez fait subir. Vous allez mourir! Cette saison touche à sa fin. Quoi que vous fassiez, moi et ma chère reine du cube, nous triompherons! Vous ne pourrez rien y faire. Pas même vous, l'équipe numéro 7, Naruto. Et Sakura. Tu es complètement fou. T'as perdu la raison. Laisse-nous partir immédiatement, tu m'entends? Sinon je vais devoir te tuer. C'est effrayant. Ce monde va mourir. Oui, je sais, Sakura. Va-t'en, je vais te protéger. Mon cher Naruto, si tu savais qu'il ne te reste pas le choix que la mort, alors je te déconseille de me résister. Assez joué. Madame la reine, laissez Naruto tranquille. Comme si tu pouvais décider. La fête est terminée. Vous vous êtes cru où, vous? Hein? Qui t'es, toi? Tu peux me dire qui t'es? Où sont mes élèves? Ah, tu parles de Naruto et Sakura? Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Où sont-ils? Ça te regarde pas. Je fais absolument tout ce que je veux. Ni toi, ni qui que ce soit me dira quoi faire. Où est Naruto? Enfin, peut-être la reine. Il est pas là. Et où est Sakura? Rends-moi mon équipe, dépêche-toi. Si tu me donnes pas mes élèves, je te plante ce couteau en plein dans le cœur. Vas-y. Est-ce que tu m'as bien compris? Et tout ça, je le ferai pour le village de Konoha. Tu peux faire ce que tu veux pour qui tu veux. Tu vas mourir. Bon, eh bien, c'est comme tu veux, tu l'auras cherché. Technique de l'aura solaire. J'ai bien fait de copier cette technique. J'ai bien fait de la copier, ouais. Bon allez, maintenant, où sont-ils?
Si je t'ai pas répondu une fois, je ne te répondrai pas pour tout le reste. Jamais. Tu as vu que je ne rigolais pas. Moi non plus, ça tombe bien. Est-ce que tu veux vraiment savoir qui je suis? Où sont mes élèves, je te le répète. Dépêche-toi de répondre à ma question. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Et ça, je crois te l'avoir déjà dit, non? Je voulais pas te tuer, mais décidément, tu me laisses pas le choix. Allez, prépare-toi à mourir. Mais je suis déjà mort, mon pauvre. La différence entre tes petites armes de fillette et les miennes... Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Chut. C'est très mal poli. La différence entre ces deux armes, c'est que ce sont pas des armes de guignol. Encore raté. Tu ne mourras pas si facilement. Qu'est-ce qu'on verra? Je suis pas un guénin. C'est quoi ça? Parade de Konoha. Qu'est-ce que tu dis de ça, minable? Ce que j'en dis, c'est qu'apparemment, t'as pas compris la leçon. Je vais devoir te tuer. Tu avais juste posé une question. Il suffisait d'y répondre. Maintenant, je vais te tuer. De qui tu parles, là? C'est moi que t'essaies de tuer. Moi, je suis là depuis le chapitre entier, tu crois vraiment? Je voulais juste savoir où était le poids. Mes élèves. Crève! Hein? Où est-ce qu'il est passé? Où est-il? Montre-toi, lâche! C'était un clone, hein, c'est ça. Je te retrouverai. Miaouskle ne mourra pas aujourd'hui! Vous avez vraiment cru que Miaouskle Ombre allait mourir comme ça? Ils sont tous morts, mais moi pas. Désolé, maman. Mais je ne voulais pas mourir avec toi. Oh, elle me manque déjà. Bon, c'est pas grave, on va prendre un lot de consolation. Une bonne grosse poignée de croquettes. Ouh, j'aime pas l'eau, mais c'est pas grave. J'ai vu quelqu'un avant de tomber. Quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Et que je vais tuer. Non, je rigole. Non, Miaouskle ne tue personne. Miaouskle Ombre est le plus gentil. Ça y est, les amis. Miaouskle, il a vu que c'était bientôt la fin du chapitre. Oh, j'espère que tout le monde s'est abonné. Miaouskle a très froid. Il fait moins de 25 degrés. J'ai les coussinets congelés. Bon, il faut que je mange. Je peux pas manger ce piment sans poisson. Frérot, salut. Tu m'avais oublié. Tu m'avais laissé tomber, mon frère. Mais non, ne m'approche pas. Tu es le méchant Miaouskle. Elle est où, maman? Hein? Réponds-moi. Où est maman Lynx? Hop, on se calme. Il est rien arrivé à maman. Elle va bien. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, me tue pas. Ne tue pas Miaouskle Ombre. Il est tellement mignon. Non, le plus mignon de tous, c'est moi. C'est moi et moi seul. Alors tais-toi. À genoux. C'est bon, d'accord. À genoux. Tu dois retrouver maman. Est-ce que t'as bien compris? Miaouskle s'est rendu, c'est bon. Ne tire pas. Je ne sais pas où elle est, maman. Tu te débrouilles. Tiens, mange ça. Ça te donnera des forces. Miaouskle Ombre est gentil. Ça brûle. Ça brûle la moustache. Alors, mon frère, on a le feu dans la bouche. C'était une blague, c'est bon. Miaouskle aime parler dans l'eau, mais c'est trop chaud. Ah, c'est bon, je rigole plus. Tu te tais. Miaouskle, on a marre des âneries. Tu arrêtes de faire n'importe quoi et tu te tais. Miaouskle Ombre te faisait juste une farce. Comme quand nous étions petits. On s'en fout! C'est bon, mon frère, calme-toi. On a quelque chose d'important à faire. Ah bon? Quelque chose de plus important que de manger? Pour avoir des croquettes illimitées, il faudrait qu'on tue la reine. Tais-toi! On ne peut pas la tuer, elle est trop forte. Mais non, c'est la vérité. Ah bon? On peut la tuer, allez, viens avec moi. Notre heure de gloire a sonné. On doit battre cette reine. Mais l'eau, elle est tellement froide. Attends-moi, moi aussi, je veux les camions de croquettes. Allez, viens, mon frère. Les croquettes illimitées seront pour nous. Si on tue la reine du cube, nous serons des héros. Allez, mon frère, on y est presque. On va la prendre par surprise et lui crever les yeux. Ouais, j'ai toujours voulu devenir un Miaouskle héros. Oh, attends, elle est juste devant nous. Mais oui, ne t'inquiète pas. Tous les humains vont l'attaquer. Regarde, cette reine se croit en sécurité. Mais en réalité, toute l'île se prépare à la tuer. Mais nous allons les devancer. Nous allons la tuer les premiers.
Elle dort à moitié, c'est le moment de frapper. Mmh. Allez, on y va. Tuons-la. Hein? Ne bouge plus. Non, non. Traître. Ne bouge plus, mon frère. Mais pour traître. Gagner, il faut bien sûr être du côté du cube. J'ai bien fait de dresser cette bestiole. Elle va m'être utile pour la suite. Allez, bondi au lit. Bondi. Plus vite. Allez. Hein? Mais c'est... Midas? C'est Sky? Midas! Qu'est-ce que tu me veux encore? Non, non, je veux pas te gêner, t'inquiète. Midas, je veux juste discuter. Qu'est-ce que t'as à me dire de si important? Vite, accouche. Allez, accorde-moi 2 minutes et je te laisse tranquille. 2 minutes, c'est tout ce que t'as. Oh, puis tu sais quoi, tu me gonfles. Ça m'intéresse pas, désolé. Reviens ici, Midas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Abrège, vite. Mais, je t'aime, moi. Ah bon? Fais-moi plaisir, mange ce que je t'ai préparé. Après, je te laisse en paix. Bon, c'est la seule faveur que je t'accorde. Je mange ton truc avec toi. Je t'accorde 5 minutes maxi. Et après, tu sors définitivement de ma vie. C'est pas mauvais ton truc. Oui. Mange, mon petit. Non, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu m'as fait? Je l'ai eu. Sky? Sky, tu m'as fait quoi? Midas, je t'aime, tu comprends? Sky? Je devais te soigner de cette énergie maléfique. Mais où sont mes pouvoirs? C'était des clombés. Hein? Ça soigne des énergies du cube. C'est quoi les clombés que tu m'as fait manger exactement? Tu es enfin libre. Hein? Frappe-moi, aide-moi, renie-moi. Quoi? Mais je t'ai sauvé, mon amour. Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends! Attends! Qu'est-ce que tu m'as fait? Aïe! Midas! Hors de ma vue! Ne laisse pas ici! Tais-toi! Je veux plus jamais te voir, je t'avais rien demandé! T'as pas le droit de me laisser ici! T'as joué et t'as perdu, Sky! Je t'ai jamais demandé de retirer mes pouvoirs de la reine du cube! Midas! La prochaine fois, tu ne m'aides pas! Je ne t'ai rien demandé! Désolé, Midas, mais cette fois, c'est la fin! Je t'aimais, moi. Adieu! Ah. Tiens, prends ça! Voilà! Je suis désolée, mais je dois plaire à mon nouveau maître, Seigneur Dark Vador! Oui, je suis trop content! Mais pourquoi, Kit? Je ne t'ai jamais voulu de mal, j'ai toujours voulu être de ton côté. Enfin, presque. Et j'ai toujours été un bon ami à ton père, même si on a eu des hauts et des bas. Je suis désolé, petit bonhomme, je... Pardon. Mais je vais devoir me venger. Tu te tais, allez, au revoir, Midas. Je vais t'achever. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends deux secondes. C'est un manque de respect. Tu me manques de respect, Midasune. Ça va mal finir. Chut, tais-toi, Ptio. J'ai plein de messages, il se passe quelque chose de grave sur l'île. Je vais devoir intervenir et te laisser. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tais-toi! Tu dis n'importe quoi! Ça va pas le faire du tout, tu te tais! C'est moi qui te donne les ordres! Ah oh oh mais... Mais non, il a cassé mon jouet! Ça venait d'où, ça? Montre-toi, lâche! Laisse cet animal tranquille! Kamehameha! Oh! C'était quoi, ça? Il faut pas que je le prenne! Oh, j'ai failli l'avoir. Mais, où est-ce qu'il est passé? Il a disparu? Ça suffit maintenant! Je ne suis pas ton ennemi, mais tu dois laisser immédiatement ce chat tranquille! Pourquoi les balles lui font rien? Je ne le répéterai pas! Tu as été prévenu! Non, attends! Tu sors d'où, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu m'as empêché de tuer ce chat? Ok. Tu l'aurais voulu! Attends, on n'est pas obligé de se battre, je ne suis pas ton ennemi, ok? Je suis venu aider l'île. Quoi? Toi? Habillé comme t'es? En pyjama? Partez-vous! Hors de ma vue! Laisse-les tranquilles! Tu me donnes pas d'ordre, toi, est-ce que c'est clair? C'est moi le... Tiens! Ah ah laisse-les tranquilles! Ou la prochaine fois, ça te tuera. Allez, laisse-les tranquilles maintenant, ok? Mais d'où est-ce qu'il sort cette puissance? T'es le premier à me mettre à genoux aussi facilement!
Mais où est-ce que tu crois aller comme ça? Reviens! J'ai autre chose à faire, désolé! Reviens, je t'ai dit! J'ai autre chose à faire, je te dis! Tu l'auras voulu, je viens te chercher! Ce chat m'a manqué de respect, je dois le retrouver et après, je massacrerai ce mec habillé en pyjama. Attends. Ouais, allô, Julie, c'est encore moi. Il serait peut-être temps que tu décroches ton téléphone! Je sens sa présence. Il est juste derrière ce mur. Bon. Bon, je vais le sortir de là. Ha! Kamehame! Encore lui? Allez, fini de jouer maintenant. Comment est-ce que tu m'as retrouvé, toi? Je vais devoir te tuer? Ça ne sert à rien. Je vais trouver un moyen. Ta puissance est bien trop inférieure à la mienne. Je te dis que je vais trouver un moyen. Laisse-moi tranquille. J'ai autre chose à régler, après je m'occuperai de toi. Allez, finissons-en. Je vais devoir te neutraliser. Tu finiras en prison. Je ne peux pas te tuer. Ouais, c'est ça. Je n'aime pas tuer. Allez, rends-toi maintenant, ok? Plutôt crever. Mais qu'est-ce que... Non, je ne veux pas me battre près de vous. Je ne veux pas vous blesser. Tes potes? Allez-vous-en. Je vais te neutraliser, allez-vous-en. Où est-ce qu'il part encore? Ouais, hors de ma vue, toi. Insecte. Pourquoi y en a autant en ce moment? Non! Arrête! Ça suffit maintenant! Va-t'en! J'ai esquivé de justesse! Arrête-toi immédiatement! Je t'ai dit que tu me donnais pas d'ordre! Tu crois être le seul à avoir des pouvoirs! Tu te trompes. Tu ne me laisses pas le choix! Moi aussi! Je peux t'anéantir en une fraction de seconde! Je vais devoir te tuer! J'ai aussi ce pouvoir, figure-toi. Comment c'est possible? Ah, non. Mais c'est une longue histoire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux toujours te battre? Mais quelle force! Jamais je n'ai rencontré un adversaire aussi fort. Heureusement que j'ai appris cette technique. Comment est-ce que je vais l'anéantir? Je te laisse partir, si tu laisses les innocents tranquilles! Tu m'as bien compris, je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas te tuer, tu ne m'as rien fait. Enfin, si tu t'en vas, je n'abandonnerai pas. Tu rêves! C'est mal me connaître, après tous les ennemis que j'ai vaincus! Ne me force pas à te tuer! Où est-il passé? Viens ici, lâche! Approche! Viens te battre! Viens te battre jusqu'au bout! Espèce de lâche! Allez, approche! Oh oh Mais il sort d'où ce type? Jamais je pourrais le battre tout seul, c'est impossible! Eh bien, je vois qu'il y a du nouveau sur cet endroit. On va bien s'amuser. Mais qui c'est encore celui-là et... C'est quoi ces tenues? Pourquoi est-ce que vous êtes en pyjama, les mecs? Qu'est-ce que... Non! Lui aussi possède cette technique! Prends ça! J'ai plus de force! Non! Ça brûle de partout! Non! Il peut encore la faire! Et ça! Cette fois, on dirait que tu as eu ton compte. Je suis le prince des super guerriers! Ah! Julie, où es-tu? Julie, est-ce que ces minables t'ont fait du mal? Écartez-vous de mon chemin, bande de tocards! Je vais vous découper! Ah! Crève! Crève aussi, toi! Hors de ma vue, misérable insecte! Ah! Julie! 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 Ah, puisque tu me réponds pas, je vais te charger de force! Sors d'ici immédiatement, tu es cramé! Mais t'es un malade, Gunnar! Non, moi c'est Gunnar! Gunnar! Ta saleté de scie aurait pu me toucher! Mais non, Gunnar maîtrise sa scie! Maintenant, écrase! Arrête de mettre du rouge à lèvres, tu me gonfles, et viens avec moi! Tu joues à quoi, hein? Tu peux me le dire? Je me cachais. J'en ai marre de toi. Hé! Oh? Gunnar! Où ça? Attends!
Vegeta, je ne t'avais pas demandé de le tuer! D'ailleurs, je ressens encore sa présence. Vegeta, on doit atterrir immédiatement. Attends, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu me veux, Sangoku? Arrête de tuer des innocents, s'il te plaît, Vegeta! Je ne peux pas te laisser faire et tu le sais! Je n'ai que faire de ces minables. Par contre, toi, Sangoku, tu es un traître! Tu es une honte pour notre race! Je ne suis pas un traître, mais je ne tue pas les innocents, moi! Allez, Vegeta, arrêtons de nous battre! Nous sommes du même côté, après tout! Attends, attends! Quelqu'un de très mauvais arrive! Non, ce n'est pas bon du tout, ça! Sangoku, tu restes la honte de la race des super guerriers. C'est ça qui t'effraie! Vegeta, arrête! Bon débarras! Il ne nous dérangera plus, celui-là. Laisse-le tranquille, Vegeta, je t'en supplie! Chut! Tais-toi, Sangoku! Vous osez m'attaquer? Bande de vermine! Je vais vous donner une bonne leçon, moi. Allez, approchez un peu pour voir. Vegeta? Non! Vegeta, ne tombe pas dans le panneau! Laisse-le tranquille, d'accord? Tais-toi! Allez, venez! Je vais vider mon chargeur sur vous! On verra si vous faites toujours les malins une fois que vous serez mort. Allez, approchez! Je vous attends! Je suis le prince des super guerriers! Tu ne me fais pas peur! Je vais te faire payer ton insolence! Allez! Venez! Je t'en empêcherai! C'est ce qu'on verra! Vegeta, non! Tu ne me laisses pas le choix, Vegeta! Je te déteste! Tu m'entends, Vegeta? Ce que tu m'obliges à faire, je te déteste! C'est qui ces mecs? Je peux pas les affronter, non! Au secours, m'aider, m'aider! À toutes les unités présentes sur place, venez m'aider! Disparais de ma vue! Minable! Encore un minable qui a rejoint l'au-delà. Qu'est-ce que t'en dis, Sangoku? Je me suis amélioré, pas vrai? Vegeta, on l'a retrouvé. Mais tu ne le tues pas! Je compte sur toi, Vegeta, je peux te faire confiance? Mais oui, Sangoku, voyons, pourquoi est-ce que je le tuerais? Hein? Toi qui es l'ami de tous les minables! Je n'ai pas le temps pour ça! Sors de ta cachette! Eh bien, on dirait qu'on va s'amuser un peu! Qui sont ces nouveaux guignols? Et un de moins encore. Je vais essayer leurs armes. Intéressant. Mais je préfère nos pouvoirs. Allez, Sangoku, dépêche-toi. On n'a pas que ça à faire. Attends-moi, Vegeta! Une chance que j'avais cet hologramme. Ils n'ont rien vu venir. Comment est-ce? C'est vous? Non! Je suis fini cette fois. Comme tu dis, tu es terminé. Rends-toi maintenant. Vous me prenez pas au sérieux alors, hein? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, approchez. Allez, venez, je me servirai pas de mon arme, c'est promis. Je rêve? Ou il ose se moquer de nous? Bon, ok, il l'aura cherché. Je te le laisse, Vegeta. Ouais, tu fais bien de me le laisser. Je vais l'éliminer. Allez. Approche un peu si tu l'oses. On va voir ce que t'as dans le ventre. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, hein? Tu vas faire quoi? Hein? Te trémousser? Oh non, vas-y, arrête, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, je déconne. Vous êtes pitoyables, tous les deux. C'est ce qu'on verra. Non, mais non, les gars, je plaisante. Je vous veux pas de mal, moi, je suis un pacifiste. Sauf que je vais vous tuer! Disparais! Allez! Oh! Ah, tu vas me le payer! Il peut le faire combien de fois, ce truc-là? Il faut surtout pas que je me fasse toucher encore une fois. Sinon, je suis mort. Pour une fois, faut que je fuis! Où est-ce qu'il est, ce minable? Je sens sa présence. Comment est-ce que c'est possible? Ils m'ont encore retrouvé. Ils ont des détecteurs, ces mecs, ou quoi? Non... Non! On va s'amuser une dernière fois. Allez, mets le paquet! Je ne fais pas le poids contre eux, c'est la fin. Mais je me battrai jusqu'au comme bout! Comme tu dis, ouais! Approche! Allez, viens! Affronte-moi! Comment? C'est possible! Ce que tu sais faire? J'arrive Arrête pas à le toucher! J'ai une autre solution finalement! Je peux pas le toucher, ce mec! Il bloque tous mes coups!
Il faut que je puisse le toucher. C'est le seul moyen que je gagne. Sinon, c'est la fin. C'est fini pour moi. Sa puissance m'a fait tomber à terre. Pas sérieuse. Vegeta, je t'ai dit que j'ai une idée. Écoute-moi pour une fois, Vegeta. Je n'ai que faire de ce que tu as à me dire. Non. Oui, Marigold. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Toute ma vie! Je vous oublierai jamais! Pourquoi tu as fait ça? Il aurait pu nous être utile pour la suite! Sangoku, la prochaine fois que tu lèves la main sur moi, je serai obligé de t'éliminer! Tu m'as compris, Sangoku? Calme-toi, Vegeta! Allez! Tu sauras pas sa présence! J'ai un petit creux! Concentre-toi! Quoi? Elle est toute proche! Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu ressens cette présence. Nous allons nous le faire. Quoi? Ils ont tué papa? Non, je peux pas le croire. Papa. Pourtant, on le voit en vidéo mourir. Papa, on n'était pas toujours d'accord, mais je tenais à toi. Je t'aime, papa. Je vais te venger. Maudit Vegeta! Me laisser seul sur cette île. Il va voir. Ah, c'est elle, la femme de Vegeta. Toi, Bulma Shfari. Bonjour, jolie jeune fille. T'es morte. Vous êtes perdue. Crève pour mon père. Non, mais je rêve. Vous avez osé. Vous avez osé. Touchez à ma Bulma! Ma vengeance sera terrible! Je crois que j'ai fait la sieste un petit peu trop longtemps. Il faut que je demande des informations à cette dame, elle va peut-être pouvoir m'aider. Bonjour madame, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel sur cette île? Qui est responsable de ça? Ce petit ose approcher ma Bulma! Je vais l'anéantir!